There, that's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Donc maintenant, et pour conclure, 45 minutes de vidéo, on va parler, on va rester, donc on va revenir sur les DVD Hellboy Unlimited, mais sur les éditions exclusives étrangères. Donc premièrement, le Blu-ray US Hellboy Unlimited, pas distribué, pas édité en France, donc toujours Encore Bay qui édite, mais il faut savoir que Encore Bay n'édite jamais. En tout cas pour le moment les Blu-ray ne sont pas édités. Encore Bay a édité pas mal de petites choses, je pense notamment au Chronos de Guillermo del Toro, ils ont fait une réédition de La Mort qui tue tout, mais Encore Bay ne distribue pas en Europe, en tout cas pas encore. Les DVD il a fallu attendre longtemps, mais les Blu-ray non, niette. Donc uniquement disponible pour le moment et je pense même à tout jamais sur les territoires américains. Malheureusement le Blu-ray est codé, codé zone A, donc il vous faudra un lecteur multi-zone pour pouvoir le lire. Et pour rester dans la pour rester sur la carte de l'anomalie, les deux films sont donc présents sur un seul et même disque, ce qui est vraiment sympa. Par contre les bonus ont sauté. Les bonus n'ont pas franchi la frontière de la haute définition, ce qui est vraiment bizarre, bizarre et étrange, mais bon, on l'aura vu dans cette vidéo, au niveau éditorial, tout ce qui concerne les disques Hellboy, que ce soit en traversant l'océan ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit d'autre, la ligne éditoriale des disques Hellboy et Animated en tout cas, est plutôt bizarre, donc on reste dans la même, idée. Ensuite, édition spéciale, il faut savoir qu'il n'y a à part cette édition combo avec une figurine donc disponible uniquement aux USA, il n'y a qu'un seul pays au monde qui a tenté de faire quelque chose de classieux, stylé et rare avec les disques Hellboy Unlimited, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui a osé produire deux éditions limitées du même film, donc c'est-à-dire Sword of Storms. Donc le premier, en fait, ça ne concerne que le packaging, vous allez voir. Donc le premier, voilà le premier visuel, donc en fait, ils reprennent le visuel américain, mais sous format, sous la forme d'un fourreau. Donc voilà, vous avez votre étui, où rangez votre, votre boîte à marais. La boîte est transparente. Le visuel reste le même que celui des États-Unis, où vous avez la petite BD. Vous avez donc... Hop, il est tombé, c'est pas grave, je ramasse le visuel, enfin la petite pub pour Hellboy Unlimited, Blood and Iron et Highlander. Ouh. Et vous avez également ceci, donc exclusif à l'Angleterre, une série de 4, même pas carte postale, vous allez voir pourquoi je vous montre après, de 4 images. De 4 images sur carton léger, genre de mélange entre du carton et du papier glacé. 4 images Hellboy. Et en fait, le truc, c'est que lorsque vous les retournez, vous avez ceci. Et lorsque vous retournez les 4, en fait, bah, vous vous rendez compte que vous pouvez faire un poster avec. Enfin, un poster. Il faut avoir envie de faire un poster, de se faire un poster avec, avec ces petits trucs-là. Mais je trouve l'initiative vraiment, 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 vraiment funky. C'est vraiment sympa à l'éditeur anglais d'avoir proposé ça aux fans. D'autant qu'ils sont les seuls dans le monde, même les Américains n'ont pas ces packaging format fourreau. Ils ont juste les boîtes à marais avec le petit étui cartonné comme l'avait vu tout à l'heure, mais c'est voilà. L'Angleterre est vraiment le seul à avoir proposé ça, donc c'est vraiment sympa. Et le deuxième, toujours le même film, Sword of Storms, donc voilà, le plus classieux d'entre tous. Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, avec le Hellboy. Rouge sur fond noir, en plus c'est un rouge un peu brillant et un peu en relief. On passe ses doigts dessus, on le sent le Hellboy. Donc pareil, à l'intérieur, le même visuel qu'aux USA, une boîte en plastique, transparent, et le DVD. En sachant que c'est Encore Bay qui a édité
Bah, encore belle, le seul éditeur au monde de Hellboy Animated. Donc cette édition, ces éditions, parce que j'ai en double une version déballée et une version sous plastique, ce n'est pas collectionneur qui veut. Donc ces deux éditions spéciales, limitées, exclusives à l'Angleterre, enterrent définitivement le clou entre l'édition française et américaine de Hellboy, et du coup bah, anglaise, l'Angleterre faisant partie de l'Europe, on comprend pas pourquoi... Encorbet, qui est l'éditeur de ces films-là, non seulement en plus d'avoir fait sauter la petite apparition de Lobster Johnson à la fin de Blood and Iron, donc apparition qui devait à l'origine introduire le troisième film Hellboy, en plus d'avoir fait sauter un comic book, pourquoi avoir proposé en Angleterre et pas ailleurs ces deux super packaging, et pourquoi avoir proposé pour le reste de l'Europe les visuels tout pourris qu'on doit se taper, quoi. C'est vraiment ahurissant, donc encore mieux que l'édition américaine, les éditions anglaises, puisqu'il y a ces super packaging. À part bien sûr si on compte l'édition combo avec figurines, mais bon, ça voilà, ça c'est réservé aux collectionneurs et puis aguerris. Donc voilà pour cette longue émission dédiée à Hellboy Animated. Pour ceux qui seraient restés jusqu'au bout, bah merci. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sans vous être endormi ou sans avoir brouillé votre ordinateur. Ça me fait très 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 plaisir. Et puis, bah du coup, bah je vous dis à la prochaine pour une émission un petit peu moins longue. Mais au moins cette émission, voilà, même si elle est longue, aura le mérite de vous avoir présenté dans sa globalité l'univers Hellboy Animated, que ce soit la BD, les DVD, les différences de montage et d'editoring et les produits dérivés. Produits dérivés, pardon, je bafouille, je suis fatigué, 45 minutes là, je suis... Allez, je vais faire dodo. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur le blog, et sur YouTube, et sur Facebook, et à la prochaine.